Docteur Richard Tidianson. Je suis un formateur et un coach. Bon, j'étais d'abord très agréablement surpris de trouver une des jeunes qui avaient envie de savoir. Et donc j'ai rejoint un peu l'IPAR et la NPGE qui organisait disons, une sorte de masterclass en leadership pour équiper un peu les jeunes en outils qui leur permettraient de savoir quel est le niveau de leadership dont ils ont besoin pour pouvoir évidemment gérer des entreprises qu'ils auront à créer et aussi pouvoir faire face évidemment à l'environnement concurrentiel qu'il peut y avoir. Bon, la formation de leadership elle est transversale, c'est-à-dire elle brosse un peu tout ce qu'un jeune entrepreneur doit savoir pour pouvoir évidemment réussir son entreprise. Donc aujourd'hui ce qu'on a vu c'est d'abord savoir distinguer quels sont les types de leaders qu'il peut y avoir, à quel niveau ils doivent se positionner et quels peuvent aussi être des risques qui pourraient les empêcher quand ils vont avoir des obstacles avec eux de pouvoir passer à des niveaux supérieurs. Donc on a vu un peu tout ça en détail et puis je pense que là aujourd'hui ils ont en tout cas une bonne idée de qu'est-ce que c'est que le leadership, qu'est-ce qu'ils peuvent en attendre et quel est surtout le travail à faire à leur niveau et au niveau des gens qui les entourent pour pouvoir être de bons leaders.